Bonsoir et bienvenue à vous tous, mes chers amis Verseau, pour votre tirage complémentaire de ce mois de novembre. Hier, nous avons vu comment faire pour que votre vie devienne réalité en visualisant avec clarté la vie que tu désires. Je t'invite à la fin de ce tirage à aller la voir ou la revoir si ce n'est pas encore fait. Donc tu peux cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner et je te souhaite une excellente écoute. Alors c'est parti, on y va. Je te remercie en tout cas de ton abonnement, de ta confiance que tu me témoignes. Et grâce à toi, hein, grâce à toi vraiment, eh ben, la communauté grandit et ça c'est magnifique. Alors on y va, allez, avec le petit message de l'oracle de l'intuition. Un petit message à la fin de ce tirage pour voir ce qui va donc se produire pour ce mois de novembre. Je te laisse quelques secondes en magnifique compagnie, hein, avec cette magnifique musique derrière, le temps que tu installes le tirage. Voilà. Alors on va voir ensemble ce qui va donc se produire pour ce joli mois de novembre. J'espère en tout cas que la dépression saisonnière ne va pas t'envahir. On va voir ensemble, en tout cas, à travers ce tirage, si c'est en cours ou pas. Le soleil est en train de manquer. J'espère que tu as emmagasiné énormément de soleil tout cet été. Alors c'est parti, on va voir l'éclairage, tout simplement, pour ce mois de novembre. On a ici la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Comme tu le vois très clairement, la fée, elle est là en train de méditer sur son lotus rose. Juste avant, comme je te l'ai dit, hein, je suis un visionnaire, et donc je vois ici très clairement que c'est très important pour toi de prendre 10 minutes le matin et 10 minutes le soir pour te poser et être dans le silence et faire ressortir toute l'énergie du soleil et de la lune que tu as accumulée pendant cet été. Et oui, il est temps maintenant, avec la fraîcheur de l'hiver qui va s'installer petit à petit, de te reconcentrer sur ta propre énergie. Donc l'obstacle qui est très difficile à mettre en place, c'est cette transition, d'accord, entre l'été où il faisait beau et l'hiver qui va s'installer. Là, ce que je t'ai dit juste avant, la dépression saisonnière, d'accord? Donc, l'énergie qui est basse. Alors, pourtant, tu ressens hein, toute cette belle énergie que tu envoies. Wow, c'est magnifique. Comment ça se fait? J'ai toujours de l'énergie en permanence. Wow! Et bien, cette énergie, je te l'envoie pour que tu puisses être galvanisé et rebondir le plus vite possible. Tu vas cartonner quand tu vas avoir de l'énergie pour ce mois de novembre par rapport à la majorité des gens, d'accord? Tu fais ou tu fais pas d'ailleurs. La troisième lame, c'est la fée du monde naturel qui t'indique que même s'il commence à faire froid, va donc te promener dans la nature. Ou si tu habites en ville, dans un parc. Mais va donc te ressourcer. N'oublie pas que l'être humain est un être naturel de nature. Nous sommes faits pour vivre dans la nature et non dans une ville bétonnée. Donc c'est très important de te reconnecter à notre très chère mère nature. La quatrième lame pour cette guidance sentimentale de ce mois de novembre, c'est la fée du fanal qui vous indique qu'elle est là
pour vous en permanence. Mais elle vous pose une question que j'aimerais que vous répondiez, que tu répondes là en dessous en commentaire. Mais dans quelle direction vas-tu? Quel est ton focus? Quel est ton cap? Il est extrêmement important de t'efforcer de vivre le moment présent en appréciant chaque chose pour ce qu'elle est au lieu de penser à ce qui m'attend. C'est ce que l'on appelle l'amour. Donc, dans quelle direction vas-tu? Quel est ce pourquoi tu continues à faire ce que tu fais? Et puis, la dernière lame pour ce mois de novembre, c'est l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. C'est la générosité. C'est le partage que l'on a ensemble. Et ça, c'est délectable. D'accord? Donc, je te remercie de ce partage. Je te remercie de ton commentaire, de ton abonnement. Et puis, surtout de faire du mieux que tu peux autour de toi. C'est ensemble que l'on s'entraide, c'est ensemble qu'on avance, et puis c'est surtout en fournissant nous tous des efforts jour après jour que nous allons changer ce monde. En changeant notre perception de voir le monde tel qu'il est, nous allons vers une lumière beaucoup plus forte. Donc, sois courageuse, sois courageuse, mets-toi sur ton 31, prends soin de toi, fais les efforts nécessaires, souris à la vie. Dès qu'une personne fait la tête, souris-lui souris-lui à elle ou à lui. Hein. Mais c'est peut-être la seule chose de bien qui va ou qu'elle va arriver dans sa vie, ou en tout cas dans sa journée. Donc n'oublie pas de lui sourire. Donc voilà, un petit message, d'accord, c'est la lame de l'amour, c'est la sympathie. Pourquoi je te l'ai dit juste avant? Comme je te l'ai dit, je suis visionnaire, donc j'ai même pas besoin des cartes pour être intuitif, je le sais déjà ce qui va donc se passer. Donc l'amour, c'est la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà, tout est dit, si tu es ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il y a aussi cet amour en toi. Donc, il te suffit maintenant de le renforcer. Je te souhaite une excellente et lumineuse soirée ou journée et je t'invite bien sûr à t'offrir mes programmes que je t'ai confectionnés. Alors, à tout de suite.